repérez la bête. Prévenez la garde ducale sans délai. Messire, une lettre pour vous. Une lettre? De qui? Je ne sais point, messire. Je devais juste la remettre. Tiens, et merci. Merci à vous, messire. J'espère pouvoir encore vous rendre service. Mon cher Gérald. J'espère que tu vas bien. J'imagine que tu es sur la piste d'un terrible monstre, à moins qu'il s'agisse d'une malédiction complexe cette fois. Oh, Gérald, j'aimerais tant savoir. Quelle que soit l'affaire qui t'occupe, tu auras peut-être besoin de souffler. Et dans ce cas, je dois te faire part d'un mystère que j'ai découvert dans un vieux manuscrit acheté à un marchand de Nazaire. L'auteur de l'ouvrage affirme qu'un certain professeur Moreau vivait à Beauclair et que ce professeur menait des recherches sur les mutations des sorceleurs. C'est tout ce que je sais, mais cela devrait suffire à piquer ta curiosité. L'ouvrage mentionnait un journal enterré avec l'érudit à sa mort. Il pourrait bien te mener jusqu'au laboratoire. Tu trouveras ci-joint une carte qui était pliée dans l'ouvrage. Il y a quelques tâches, mais j'espère qu'elle te sera quand même utile. Sois prudent et reviens-moi vite. Tatris. Un professeur qui étudiait les mutations des sorceleurs. Ça vaudrait le coup d'enquêter. L'inscription est en langue ancienne. Le salut ne se trouve pas à Dol Nafdé, mais dans nos cœurs, gloire à Ilren. Bon sang, le journal du professeur s'est envolé. Quelqu'un d'autre a dû en entendre parler. Je devrais fouiller. Je trouverai peut-être autre chose. Des empreintes. Étroite et peu profonde. Une personne fluette. Une femme, peut-être. Le professeur ne sera pas d'une grande aide dans mes recherches. Merde. La piste s'arrête. Je me demande si le pilleur de tombe en a appris plus que moi. Je n'apprendrai rien d'autre ici. Je devrais me contenter de la carte envoyée par Triss. L'épitaphe mentionnait Eliren et Dol Nafdé, la vallée des Neufs. L'endroit indiqué sur la carte est inondé. La sans-retour coule ici. C'est là que devait se trouver la vallée des Neufs. Je dois explorer l'endroit. Moins vite. Thank you.
tombe a dû trouver quelque chose dans la tombe de Moreau, capable d'activer le portail d'entrée. Je me demande quelle surprise me réserve cet endroit. Ses plaies après avoir tenté de grimper. Au moins, il a pu éviter les panthères.
Fermé, évidemment. Les notes que j'ai trouvées mentionnent quatre pierres saillantes. Il faut appuyer dessus. Je pourrais essayer avec l'arbalète. Visiteur a dû escalader le mur pour échapper aux panthères. Intéressant comme endroit. Cette conception ne doit rien au hasard. Je devrais fouiller un peu. Les gargouilles n'ont pas l'air de vouloir m'aider. Indésirable. Intrusion. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Ouais, je m'en doutais. Thank you.
Ce devait être le labo de Moreau. Cet homme n'a pas dû venir ici de son plein gré. Cette machine est très étrange. Comment la démarre-t-on ? Je me demande qui y était enfermé. Belle bibliothèque. Surtout des ouvrages sur les mutations et la génétique. J'espère qu'ils n'ont pas été prélevés de force. Des cristaux. Je devrais les placer dans le mégascope. Il manque deux cristaux. Je n'ai qu'à choisir une entrée. Dix-huitième jour de Yule. En 1102. Aujourd'hui, j'entreprends le grand œuvre de ma vie. Une entreprise plus importante que toute autre jusque-là. Car elle nous touche personnellement. Mon fils et moi. Il y a 15 ans, quand une bête de la forêt m'a attaqué, un sorceleur est intervenu et m'a sauvé la vie. Je ne pouvais point me douter que mon salut m'obligerait à renoncer à tout droit de regard sur l'avenir de mon fils. Si j'avais le pouvoir de remonter le temps, je le ferais. Et préférerais périr plutôt que d'abandonner mon fils unique au sorceleur. Les choses étant ce qu'elles sont, le jour où l'on a emmené Jérôme, j'ai juré sur mon honneur de récupérer mon fils. Aujourd'hui, après des années de recherche et de préparation, j'ai enfin mis au point un dispositif me permettant d'étudier les mutations. Si les dieux ont la bonté de m'accorder un peu de leur faveur, je trouverai un moyen d'inverser ces mutations et de rendre une vie normale à Jérôme. Le professeur ne voulait donc pas améliorer les mutations des sorceleurs, mais les inverser. Je me demande s'il a réussi, et si je pourrais en tirer profit. Observation 22. Malgré l'application d'une dose de substance toxique bien supérieure à d'habitude, le sujet n'a présenté aucun signe de surdose. Il pourrait s'agir d'un effet des mutations. C'est donc un petit succès. Cette mutation devrait permettre à Jérôme de mieux supporter la toxicité.
Observation 30. Les mutations ne sont pas immédiates. Étrangement, elles ne surviennent pas progressivement non plus. Pour qu'une mutation s'achève, il faut appliquer le bon mutagène de manière continue. Le sujet supporte mal ce traitement. Mais j'ai trouvé un moyen de rendre les mutations moins épuisantes et agressives. À la base du mutagène, j'ajoute de l'albumène d'œufs de scolopendromorphes mutants. Stockés dans un terrarium en verre, les œufs ne se développent point. Les œufs sont splendides. Luminescents à cause des mutations, ils émettent une lueur merveilleuse. Il faut espérer que l'ajout d'albumène n'aura point d'effet secondaire important. Le temps nous le dira. Observation 58. Un échec conduit parfois au succès. J'ai découvert une méthode permettant de transmuter un type de mutagène en un autre grâce à l'ajout de certains ingrédients. C'est donc un grand jour pour la science. Par ailleurs, j'ai observé que le sujet a frôlé la mort avec la dose du jour de mutagène. Il s'est ensuite réveillé brusquement, revigoré, ses forces retrouvées. Pas entièrement, bien sûr, mais il est revenu des frontières de la mort. Difficile de dire si c'est imputable à ces mutations ou s'il s'agit d'une pure coïncidence. Je dois mener de nouvelles expériences. Des années d'expérience, de recherche et de sacrifice. Enfin. Je ne suis point parvenu à atteindre l'objectif fixé. Chaque mutation appliquée à mes sujets s'est avérée inefficace sur Gérant. Ce qui devait le guérir de son état de sorceleur, lui rendre une vie normale, n'a fait qu'amplifier ses mutations, accroître davantage sa vitesse et sa force, le rendant encore plus inhumain. Il semble que mon fils doive rester un sorceleur à jamais. J'ai échoué. Il est temps pour moi d'abandonner cet endroit, de rentrer. Auprès de Lydia. Elle daignera peut-être encore me reprendre. Les formules et les mutagènes resteront ici. Qu'ils disparaissent. Comme mes rêves de retrouver mon fils. Le professeur voulait donc inverser les effets des mutations. Il a fini par les amplifier. Une chance pour moi, son échec pourrait m'être utile. D'après les enregistrements, le professeur tentait de neutraliser les effets des mutations des sorceleurs. Mais il n'a réussi qu'à les amplifier. Il s'est servi de l'albumène d'un œuf de scolopendromorphe comme base pour son mutagène. C'est l'heure de la chasse aux œufs.
Cette machine est très étrange. Mutagène du professeur pour agir sur moi comme sur son fils. Eh bien, il est temps de le découvrir. Pour portail, vide a priori. Peut-être qu'un signe pourrait la recharger.